Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. C'est la campagne du samedi, troisième épisode d'Aeon's End, The New Age, mode expédition. J'ai gagné ma dernière partie, ça va super bien. Et là, je dois vous avouer que dans ce troisième épisode, j'ai quand même des choses à vous expliquer parce que vous savez, ce jeu-là, Aeon's End, The New Age, ça fait quand même un certain temps que je l'ai. Ça fait plusieurs mois. Et puis, je me souviens, quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert. Et malheureusement, Aeon's End, il y a comme ce... malheureusement ou heureusement, ça dépend. Je pense que c'est plus heureux que malheureux. Mais Aeon's End, il faut ouvrir les paquets dans un certain ordre en suivant les premières parties et tout ça. Et là, je me souviens, non seulement, la première chose, je ne retrouvais plus mon livret d'instruction. Fait que c'est pour ça que mon livret d'instruction est un petit peu bizarroïde sur du papier, parce que j'ai été obligé de m'en imprimer un autre. J'ai aucune idée où est mon livret d'instruction, ça c'est la première chose. Mais la deuxième affaire, le mode expédition, là, à la fin du dernier épisode, je comprenais plus grand-chose, parce que on a un concept dans New Age, qui finalement aurait probablement dû être expliqué bien avant, mais le concept qu'on a une baraque. Okay? Puis dans la baraque, on va avoir des spells, donc des sorts, on va avoir des reliques, on va avoir des gems, mais on va aussi avoir des personnages. Comme là, on voit que c'est Rhea et Takren qui sont là. Mais quand j'ai regardé justement le End of Expedition Rulebook, je me suis rendu compte que dans le jeu de base, on est supposé avoir Claudia, Jigar, Sala et Takren. Donc Q n'était pas là. Et là, je me posais beaucoup de questions à savoir comment ça marche et tout ça. Et là, je me suis rendu compte que, dans le fond, c'est un Kickstarter. Je l'avais donc backé sur Kickstarter. Je l'ai reçu. J'ai pris toutes les extensions. Et dans le fond, j'ai des extensions déjà d'inclus dans le jeu. Okay? Ce qui fait en sorte que toutes les mages de la brèche que je vous ai présentées au début dans l'épisode 0, il y en a plusieurs qui viennent des extensions. Et... bon, c'est pas nécessairement... écoutez, honnêtement, la manière que je l'ai joué, c'est correct. Parce qu'il faut en fait jouer avec ce qu'on a de disponible dans la baraque. Et en ayant acheté les extensions, ça fait en sorte que j'avais accès à beaucoup plus de personnages que dans le jeu de base. Et là, Rhea vient de s'ajouter finalement à ce que j'ai disponible dans la baraque. Et c'est la même chose pour ce qui est des sorts ici puis des gems. Donc, il y a certains gems comme celui-ci. On voit que c'est écrit ici SD. Je ne me souviens plus c'est quoi du nom, là, mais évidemment, les jeux qui viennent, les cartes viennent du jeu de base. C'est supposé être écrit NA dessus pour New Age. Alors, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je les enlève? C'était pas clair nécessairement dans les instructions par rapport à ça. Et j'ai décidé de laisser, dans le fond, mes cartes des extensions là. Ce qui fait en sorte que quand je choisis les cartes au début d'une partie, je peux les choisir parmi toutes les cartes que j'ai dans la baraque. Donc voilà, fait que je voulais juste vous expliquer ça. Peut-être qu'il y en avait plusieurs qui avaient dit, qui avaient remarqué peut-être justement que le Q ne faisait pas partie du jeu de base et que dans les premières expéditions, en théorie, il ne faudrait pas que je l'aie, mais évidemment, si vous avez des extensions, vous pouvez l'utiliser. Puis je pense que bien franchement, si vous avez n'importe quel mage de la brèche, ils font partie de votre baraque, il n'y a pas de problème, vous pouvez les utiliser. Bon, fait que là, on est. Là, j'ai déjà placé, donc j'ai déjà fait mes choix pour les cartes qui sont là. Donc, j'aurai l'occasion de vous les présenter un petit peu tantôt. Donc, je vous rappelle que j'ai pris Rhea, j'ai Takren que j'ai décidé de conserver. Ça risque d'être un petit peu plus difficile parce que Rhea semble être moins axée sur la magie, là, parce que. Dans le fond, vous voyez ça, c'est sa main de départ, là, elle commence avec ça. Puis ici, c'est 5 cristaux qui restent dans son deck. Puis son habilité spéciale, c'est Sublimate. Puis c'est écrit dessus que je peux retourner une carte de ma main ou de ma défausse to its supply pile, donc de ma main ou de ma défausse directement ici dans le supply. Si je retourne une relique, je gagne une carte de n'importe quelle pile qui coûte jusqu'à 3 de plus que la carte que j'ai retournée. Donc ça, c'est quand même cool. Sinon, je gagne une carte de n'importe quel supply qui coûte 2 de plus que celui qui a été retourné. Donc elle, dans le fond, elle aime beaucoup les reliques. Si vous vous souvenez de l'histoire qu'on a racontée, c'est l'experte justement pour trouver des trésors.
Donc, peu importe le choix, je place la carte que je gagne de cette façon-là dans ma main. Fait que c'est quand même intéressant pour aller chercher les plus grosses cartes. Vous allez voir que j'en ai quand même deux très grosses cartes, dont une très grosse relique dans ce que j'ai choisi. Il y a aussi un autre élément qui est très nouveau dans la phase d'expédition, dans le concept d'expédition, ce sont les fameuses cartes de trésor. Donc, à partir de la deuxième bataille du mode expédition, parce qu'une fois que vous allez avoir fini une fois, vous allez pouvoir refaire des expéditions, mais cette fois-ci, les expéditions, vous allez pouvoir les refaire aléatoirement avec des némésis aléatoires, dépendamment de ceux qui vont être apparus en jeu, et aussi ceux qui viennent des extensions, parce que je me suis rendu compte que j'avais d'autres némésis également, puis c'est ceux qui viennent justement des extensions. Et j'ai aussi une des extensions qui est celle-ci, là, qui s'appelle Into the Wild, je pense, qui est un mode expédition en lui-même. Alors, ça, c'est un paquet de cartes que j'ai eu avec l'extension. Alors, ça, là, ce sont des trésors de niveau 1. Lorsqu'on fait notre deuxième combat, je peux choisir une carte de trésor que je vais rajouter donc dans mon deck, OK, puis probablement dans ma main, là, qui va remplacer soit un Spark, c'est un spell, ou qui va remplacer une gem. OK, donc, et c'est vraiment un choix, donc je ne vais pas au hasard. Fait que ça, on aura l'occasion de regarder ça dans quelques instants. Mais avant toute chose, évidemment, parce que là, je ne sais même pas contre quel Némésis que je vais affronter. Une chose que je me souviens, par contre, c'est que ça risque d'être un genre d'araignée un peu bizarroïde. Alors, allons-y avec la suite de cette histoire. Alors, allons-y, on commence la bataille numéro 2. I am no mere nameless. They bow to me now. Je ne suis pas n'importe quel sans nom. Ils se prosternent devant moi maintenant. Alors, Rhea goes rigid with shock. Alors, Rhea, qui devient donc rigide de choc, il peut parler. Donc, cette araignée, cette créature twistée around towards you, donc qui s'en vient tranquillement vers moi, son visage qui est tout warp, trouver un mot pour remplacer ça, mais vraiment, ça reste un humain. Donc, c'est comme un humain mélangé avec une araignée, c'est super. Pourquoi avez-vous retourné? Vous ne voulez... I don't want to have to kill you, donc je ne veux pas avoir à vous tuer. Laissez-moi terminer mon expérience en paix. La créature qui est devant nous, avec ses genres de pattes un peu partout, là, donc snapping into place one by one, qui se place devant nous un par un. The portal behind him wavers, donc le portail en avant de lui qui semble s'en aller tranquillement, pas vite. Opening briefly to reveal a man within, donc il s'ouvre tranquillement où on voit un homme à l'intérieur, bound and gagged by spiderweb, qui semble être dans le fond pris dans des fils d'araignée. C'est Commander Sorskull. Alors, il semble se battre contre l'énergie du Void qui passe à travers la brèche et sur sa peau. « Laissez-le partir !» crie Rhea, qui prend donc qui prend un pas vers l'avant. La créature qui lance ses pieds par terre, qui la bloque dans le fond, qui l'empêche d'avancer. Hein, j'essaie toujours de faire du mieux que je peux pour ce qui est de la traduction simultanée. Je sais que c'est pas très fluide, mais c'est comme ça. Alors, donc la fameuse créature qui dit « Espèce de mage niaiseux, you scorn Zaxxas for daring to evolve. » Alors, on a vraiment vilifié Zaxxas qui a tenté de changer et d'évoluer. « Vous ne pouvez pas utiliser le pouvoir des sans-noms. » We can use the power of the nameless. On peut utiliser le pouvoir des sans-noms pour devenir encore plus fort. Je peux sauver Gravehold. Et donc, il étend ses bras. Et ensuite de ça, la population va vraiment donc adorer ou aduler ses véritables sauveurs. Mon maître Zaxxas et ses disciples, le grand Arachnos. Mais son meilleur disciple, le grand Arachnos. C'est intéressant, dans le fond, fait que si on continue l'histoire,
Donc l'idée, c'est que les sans noms n'existent peut-être plus vraiment, mais on a donc les fameux disciples de Xaxos qui, en passant, l'histoire que vous pouvez retrouver en jouant, donc à Eandian Legacy. Et là, on dirait que les disciples qui tentent d'aller chercher le pouvoir des sans noms pour toujours en ayant en tête de vouloir sauver Greyvold. Alors là, il y a plein de choses qui est écrit. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe 2A. OK? Donc, on va ouvrir l'enveloppe 2A qui est probablement ici notre magnifique créature Arachnos que nous allons probablement affronter dans quelques instants. Oh! Arachnos qui semble venir avec plein de choses et qui va aussi arriver avec, comme on peut voir, oh! Tier 1 Basic Upgrade Nemesis. Ah oui, ça, c'est les fameux upgrades qu'on va découvrir ensemble, d'ailleurs. Et là, on a Arachnos Token. On va falloir regarder comment il fonctionne. Et évidemment, il arrive avec son propre petit plateau super sympathique. Bon, OK. Donc, Arachnos, on voit que son setup, c'est que je dois placer le Ritual Track next to this mat. Alors, on va mettre le Ritual Track juste ici. Donc, pour que vous puissiez le voir convenablement. Ensuite de ça, je dois placer des Arachnos Tokens. Donc, c'est celui-là ici. Donc, le jeton Arachnos to the start position. Alors, on va le placer juste ici. Oh boy! Ensuite, je dois placer the World Devourer cards next to this mat in ascending order. OK. The World Devourer. J'ai pas ces cartes encore. OK, attends un peu. Je dois ouvrir 2A et je dois ouvrir aussi le paquet 2A. OK. Donc ici, on a le fameux paquet 2A avec plein d'upgrades, comme on peut voir. Et d'ailleurs, j'ai déjà placé certains des upgrades. Ça, je reviendrai tantôt. Alors, on a justement le World Devourer. Alors que je dois placer, comme vous pouvez voir ici, il y en a quand même pas mal. Ouh! OK, il y en a beaucoup. Alors, c'est écrit sur son que je dois le placer. Next to his mat. Ensuite, in ascending order with the lowest tier on top. Alors, les tiers qui sont ici, évidemment. Donc, semble pas très intéressant. Et là, j'ai une belle place pour mettre ça juste ici. Donc, des Nemesis cards. Sauf que, oh oui, vous allez quand même voir ce qui se passe. Alors, je vais les mettre juste là. OK, donc ça, c'est pour ce qui est du Nemesis en question. On regardera comment il fonctionne. On voit qu'il a 70 points de vie. Hein. C'est pas le petit tantôt, là. 70 points de vie. OK. Oh là là, ça risque d'être un peu moins facile que celle-là a été tantôt. OK, alors on va continuer de lire ce qui est écrit ici. C'est écrit « Maintenant, use the card in this deck to set up the Nemesis deck according to page 10 du rulebook. » Donc, il y a 7 upgraded basic cards dans ce deck que l'on peut utiliser, qu'on va utiliser en faisant le setup « Every Nemesis for the rest of the expedition. » OK, donc, et là, moi, en passant, j'en ai d'autres qui viennent justement des extensions. Alors, je vais les ajouter à ceux que j'ai déjà. OK, fait que là, il faut que je fasse un setup spécial. Je vais aller voir à la page 10. OK, fait que c'est pas si compliqué, là. C'est sûr que là, on joue avec le jeu de base. Fait que j'ai décidé d'enlever tout simplement les cartes des extensions pour l'instant. Parce que ce que je dois faire, c'est bâtir comme d'habitude. Donc, on voit ici que Arachnos, il y a des cartes de niveau 1, comme toujours. Alors, il y en a ici, il y en a de niveau 2. Et puis, il y en a de niveau 3. Donc, c'est toujours 3 de chacun. OK, fait que là, on recommence. Là. Fait que là, je vais prendre mes bonnes cartes. Alors, on a ici les 3 cartes d'Arachnos. Ensuite, je vais rajouter donc le New Age. Il y en a un seul, OK, que je vais rajouter. Et là, je dois en rajouter 2 basic, comme ça. Alors là, je me tromperai pas. Donc, je vais en prendre un et je vais en prendre un deuxième. OK. Donc là, on va finir par se retrouver. Il y a quand même beaucoup de placements. Là. Donc là, 2. On voit que là, je pose en mettre 5. Donc là, j'ai 1, 2, 3 cartes.
Alors, trois cartes de niveau 2 que je mets mélanger. Donc, trois cartes. Ce qui fait en sorte qu'il faut que je rajoute. Donc, c'est 5 en tout. Donc, je dois en rajouter deux autres. Alors, ça fait 1 et ça fait 2. OK. Et là, finalement, ce qui me reste, c'est trois cartes. Alors, un petit peu comme pour ce qui est de l'autre. Alors, je prends ici les niveaux 3. Je suis supposé en avoir 7. Donc, 7, 6, 5, 4. Donc, je m'en prends 4 maintenant. Donc, 1, 2. Donc, ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Fait que là, j'espère que vous m'avez suivi. Hein? Donc, là, il me reste à toutes les mélanger puis à les placer dans le bon ordre pour créer le deck. Donc, voilà. Fait que, hein, je fais ça avec vous. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais l'expédition. Là, on découvre quelque chose de nouveau ensemble. Je me suis un petit peu mélangé avec les extensions. Mais là, c'est replacé. Fait que je mélange tout ça. Puis, on va continuer la mise en place. OK. Fait que là, le deck est maintenant fait. Il est fait convenablement. Ne vous en faites pas. C'est pas la première fois que je me trompe, d'ailleurs. Si vous avez déjà... je sais pas si je l'avais enregistré, mais à un moment donné, j'avais fait le deck d'Ayand's End, le deck du Nemesis. Faut pas se tromper là, dans la manière qu'on le mélange. À un moment donné, j'avais mélangé des niveaux 3 au début. En tout cas, faut faire attention lorsqu'on fait cette fameuse mise en place. Quand on a, moi, c'est le côté que j'aime beaucoup d'Ayand's End, c'est le fait d'avoir justement un tout nouveau Minion. C'est ça, Minion, en fait, c'est un Nemesis, un tout nouveau Nemesis qui va nous amener plein de choses. Mais là, avez-vous vu la quantité de texte qu'il y a sur celui-là? Bon, OK, fait que là, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est à choisir donc un trésor, un seul, de niveau 1, que je vais rajouter donc dans le deck de Rhea et dans le deck de Takren. Fait, je pense que je vais probablement prendre un gem pour ce qui est de Rhea, puis peut-être un spell, un sort pour Takren. En tout cas, je vais commencer par les regarder, parce que regardez, ils sont toutes quand même intéressantes, comme on a Brahma's Buried Light. Donc, celle-là permet de faire un dommage et aussi de gagner un éther. On a Guru's Torch, qui permet de faire un dommage ou de focusser n'importe quelle brèche de joueur. Donc, c'est toujours très intéressant. Donc, c'est comme si c'était l'historique. On a même Xaxos ici, qui fait son apparition. Est-ce qu'on veut vraiment... Ça serait quand même assez paradoxal qu'on utilise un trésor de Xaxos. Alors, je regarde ça pour pas nécessairement perdre trop de temps, puis je vous reviens avec mon choix. OK, donc là, ce que je veux vous dire, c'est que pour ce qui est de Rhea, j'ai décidé de prendre Kadir Emerald Shard, qui va me permettre donc de gagner un éther ou n'importe quel joueur gagne un point de vie. Alors, pour ça, je dois enlever donc un cristal dans ma main pour le restant de la partie. Alors, cette carte-là va remplacer donc une carte. Et de l'autre côté, j'ai décidé de prendre un sort qui s'appelle Sparrow's Aid, qui deal un dommage et n'importe quel allié peut préparer un sort dans sa main pour sur une de ses brèches ouvertes ou fermées. Alors ça, c'est très, très intéressant. Mais là, il faudrait que j'enlève un Spark. Mais là, j'ai pas de Spark de disponible. Alors dans ce temps-là, il faut que j'enlève un autre cristal. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé un cristal. Alors ça, c'est fait. Et là, tout ce qui me reste, c'est à vous expliquer. Donc, Arachnos, ce que je comprends bien, là, c'est qu'il est en train de faire un rituel pour faire apparaître le World Devourer, comme vous pouvez voir là. Alors, le World Devourer qui va apparaître en fonction du nombre de jetons. Donc, de jetons de Nemesis que je vais mettre. Et c'est ce qui va faire en sorte que je vais devoir donc le battre. OK? C'est lui, dans le fond, c'est lui que je dois battre pour gagner la partie. C'est ça que j'en comprends pour l'instant. Donc, c'est écrit ici que pendant le rituel, donc je peux payer les athers qui sont inscrits par-dessus pour bouger le rituel, donc ramener le rituel vers le début d'un espace. Alors, quand Arachnos arrive au bout, le rituel est maintenant terminé. Donc, lorsque le jeton d'Arachnos arrive à la fin du rituel ou qu'Arachnos n'a plus... à plus que 8 jetons de Nemesis, le rituel est complété. OK, donc c'est très important de savoir ça. Et quand les joueurs si les joueurs gagnaient la partie et que le World Devourer n'est pas encore en jeu, alors Arachnos perd un jeton de Nemesis
et le rituel est complété. Parce que comme vous comprenez, donc le but, c'est même si je l'amène à zéro, le but c'est que le rituel soit complété. C'est lui qu'il faut que je batte à la fin, puis dépendamment de combien de jetons de Némésis, c'est là qu'il va être un petit peu plus fort. Et là, c'est ça qu'ici, ça nous explique qu'est-ce qui arrive lorsque le rituel est terminé. Donc, il faut que j'enlève le deck du Némésis, toutes les minions et toutes les powers qu'il y a de la partie. Je ne termine pas les cartes de Némésis qui sont en train d'être résoues. Ensuite, je skip le Némésis Draw Phase pour le restant de la partie. Je trouve le Devourer, la carte de Devourer, qui est au numéro, au tiers numéro égal au nombre de jetons de Némésis qu'il y a. Et je flip le Ritual Track. Parce que là, je vais falloir que je combatte le World Devourer. Alors, si le World Devourer est en jeu, Arachnos je ne peux pas faire de dégâts à Arachnos. Et les joueurs gagnent quand le World Devourer est défaussé, donc battu. Et finalement, lorsqu'un joueur, quand un joueur est perdu pendant que le World Devourer est en jeu, il va reprendre 10 points de vie plutôt que de faire un Unleash Twice. En tout cas, je ne sais pas si vous avez tout suivi. Moi, je vous dirais que j'ai tout suivi à peu près à moitié. J'imagine que c'est les fameux jetons qui sont ici. Donc, de Némésis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 en tout là-dedans. On s'entend que c'est ça qu'on a besoin de faire apparaître, le World Devourer. Si je comprends bien, plus on va le faire apparaître tôt. C'est comme ici, c'est écrit « Set this minute life equal to the current life of Arachnos plus 5 ». C'est pour ça qu'il faut donc faire descendre le nombre de vies d'Arachnos. Alors que, voyez-vous, ici, c'est 7 Dismanian Life equal to the current life of Arachnos plus 30. Fait que c'est pour ça qu'il faut que j'essaie de... Hop, là, ici, c'est encore plus. Ici, c'est 30. Oh, là, j'ai pas tout mis. 35 plus 40. Ouh! Fait que c'est pour ça qu'il faut que je limite la quantité de jetons de Némésis qu'il va avoir pour pas qu'il y ait trop de points de vie. Ça s'annonce pas une bataille très facile. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que ça a été quasiment aussi long qu'un épisode 0 que je fais d'habitude. Mais c'est ça, qu'est-ce que vous voulez, on fait une campagne de Aeon's End New Age avec un nouveau Némésis et avec de nouvelles petites règles, c'est comme ça. Et là, on y va, c'est le début de la partie. Ok, fait que est-ce que vous m'avez bien suivi dans ce genre de petite mise en place? En tout cas, moi, j'espère que je vais être... En tout cas, je vais bien commencer. Alors, on a le Resonant Pearl ici qui me permet de gagner 2 à terre. Puis ensuite de ça, n'importe quel allié peut défausser un Resonant Pearl dans sa main et piger une carte. Et s'ils le font, je gagne en plus 1 à terre de plus. Donc ça peut être intéressant pour que les deux prennent ça. Après ça, j'ai Olivia Knight 2. Puis je peux aussi, ou je peux faire un dommage à un minion. Donc c'est un gem qui nous permet d'attaquer. Ça, c'est toujours très intéressant. Alors, j'ai repris le Recurring Jasper parce que je le trouvais très, très intéressant. Ensuite, dans les reliques, on a le Cage Fire. On peut détruire le dessus de la carte de n'importe quel joueur défausse. C'est Destroy the Top Card of any player's discard pile. Ah, c'est du dessus de la défausse. Ou je peux détruire ceci pour gagner 2 points de vie. Alors, le but étant de me donner des points de vie. On voit ici qu'on a le Well of Energy. Donc, Gravel gagne 2 points de vie. Ou n'importe quel joueur gagne 2 points de vie. Mais à chaque fois, mais elle coûte 7. Hein? Donc, c'est une très, très grosse carte. Alors que l'autre à côté coûte 3. Mais je vous rappelle qu'on a quand même Ria qui a une certaine habileté intéressante. Ensuite, on a le Dual Flash qui est justement... qui va avec Ria, hein, parce que c'est elle qui est sous-dessus. Alors, je fais 2 dommages, et si c'est la première, la première fois que je lance Dual Flash pendant ma phase de lancer des sorts, pendant ce tour, je peux lancer n'importe quel sort qui est préparé par un joueur. Dual Flash without discarding it. Donc, any players prep Dual Flash. Donc, ça, encore une fois, ça peut nous aider. Si chacun, on met ça, donc ça nous permet de lancer... Donc, des sorts sans défausser des cartes. Ça peut être très cool. Storm Vapor. Donc, on fait 3 dégâts. Et s'il y a un autre Storm Vapor dans n'importe quel joueur défausse, on peut focusser n'importe quelle brèche. Ensuite, on a le Force Amplifier que j'ai pris. Et on a le Spirit Lift. Alors, pendant qu'elle est préparée, pendant mon tour, lorsque je gagne une charge, n'importe quel allié gagne 2 charges. Et lorsqu'on la casse, c'est 5 dommages. Mais écoute, 8. Je ne sais pas si on va être capable de se rendre jusque-là, mais on ne sait jamais. Alors allons-y, ça fait assez longtemps que je vous fais lambiner. Ben oui, hein, commençons avec le Némésis. Alors, allons-y.
Alors, le Némésis, on commence avec les Ménines. Alors, on a des Chanters qui sont les fameux disciples de Xaxos. Alors, Persistent, Arachnos, Gang One, Némésis, Token. Alors, on veut les enlever quand même assez rapidement. Ils n'ont donc que 4 points de vie. Mais ça commence comme ça. OK, allons-y. Oh, ça commence bien. OK. Alors, les Chanters, Arachnos, Gang 1, jeton Némésis. Alors, je vais y mettre son jeton Némésis juste ici. Alors, ça va super bien. C'est tout, par contre. Et ensuite, on va piger déjà une deuxième carte. Et là, on a le fameux Drawlbeak Worm qu'on a déjà rencontré dans une autre partie. Alors, n'importe quel joueur subit un dégât. Gravel subit également un dommage avec 6 points de vie. Et là, on commence déjà avec 2 Ménines. Bon. Mais, on va commencer avec 4 attaques de suite. OK, on y va. Bon, on va commencer avec Ria. Donc, Ria, c'est ce qu'elle a présentement. OK, bon. On a le Kadir. Ah oui, c'est vrai, c'est mon gem ici. Alors, on a Spark. C'est sûr que je vais y aller avec 1, 2, 3. Puis, on va ouvrir ici, donc, une première brèche. Fait que ça, cette brèche-là, elle est ouverte. Puis après ça, ben, je vais pouvoir préparer mon Spark dessus. Puis on a ça, ouais. Ça gagne additional 2 si je peux avoir une relique. Mais je pense que j'en ai pas assez. J'en ai pas assez, puis je m'achète la relique la moins chère est à 3. Donc je pense que je vais garder mon Planner's Pocket. Alors on va défausser le reste. Et 2, 3, 4, 5. Alors on voit que j'ai encore une fois une panoplie. C'est sûr que je vais pouvoir aller me chercher des cartes. On en peut finir éventuellement. Puis il va falloir que j'essaie de faire son sublimate. Il va falloir que j'y pense. Ok, c'est important. Mais, mon Dieu, je vous jure que je les ai. Je les ai brassés. Bon. Alors, Spark, deal one damage. On va le faire. Je pense qu'on va essayer de détruire les Chanters. Et là, on a beaucoup de choses. Donc, en théorie 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manquerait un pour aller chercher ça. Donc, ce qui est le fun, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais payer 3 pour aller me chercher ici une Cage Fire. OK? Qui me permettrait de faire du nettoyage de deck. Donc, pour une relique. Et ça, je peux le faire grâce à celle-là parce que c'est 2 si je m'achète une relique. Et là, il m'en reste 3 dans mes mains. Et pour les 3, je pense qu'on va y aller pour le Resonate Pearl. On va essayer d'en avoir pour les 2. Comme ça, ça pourrait être intéressant. Alors, voilà. Donc, Ria qui fait ses premières attaques. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas encore extraordinaire, mais là, puis on sait qu'est-ce qui va se passer. Donc, 2 fois pour Takren. Alors, Takren, on le connaît un petit peu plus. Sauf qu'il a maintenant ça ici, qui est très intéressant. OK, on a 2, donc je pense on va garder pas mal la même tactique. Donc, on va utiliser ces 2-là pour aller focusser. Et je vous rappelle que quand on focus, alors je peux mettre ça et je peux aussi mettre ça sur une brèche qui n'est pas ouverte, mais que je viens de focusser, mais je vais être obligé de lancer le sort au début du prochain tour. Il me reste une seule carte, un seul cristal. Je pense que On va les garder. Et là, en voulez-vous des cristaux? Je pense que je suis l'expert en cristaux pour ce tour-ci. Et là, OK. Dès un dommage, je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va y aller avec un allié, pige une carte. OK, Ria va piger une carte. Voilà, c'est fait. Et là, on y va. Donc, je deal un dommage. Et n'importe quel allié peut préparer un spell dans sa main to their open or close breach. Alors, ça, c'est cool. Donc, je vais faire un dommage aux Chanters. Et il peut déjà... Donc, Ria peut placer un sort. Donc, elle va préparer un sort, ce qui va me permettre de la lancer. Ça, c'est très cool comme carte. J'avoue que j'aime bien. J'aime bien. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Oh! 5.
Ok, je vais y aller avec deux pour focusser ça ici. Là, il m'en reste trois, et pour trois, je vais aller me chercher une dual flash. Ok, je l'ai dit, là, j'ai quasiment ma petite vision de ce que je veux faire. Alors, ça fait une carte, deux, trois, quatre, cinq. Donc, la bataille est entamée. Pour l'instant, on n'a pas bougé ça ici. Il y a déjà un jeton de Némésis, par contre. Ok. Fait qu'on est déjà rendu à brasser ça. Fait que je vous relis. Ok, on commence doucement. On commence doucement, mais... Oh, ok, une troisième fois consécutif. Bon, on n'a pas de sort de préparer. Donc, là, j'ai deux cristaux. Donc, avec mes deux cristaux, on va ouvrir la deuxième brèche. Donc, on a deux d'ouverte. Et là, j'ai trois sorts dans mes mains. Oh, c'est quand même quelque chose. Donc, je pense qu'on va y aller avec Sparrowhead, puis on va y aller avec Open Breach, puis je vais garder ma Spark, j'ai pas le choix. Alors, je me défausse de ces deux cartes-là. Alors, 2, 3, 4, 5. Alors, vous voyez que c'est quand même rapide, hein, Yandian, quand on commence à être habitué. C'est sûr que là, il y a une mise en place un petit peu plus longue, mais là, vous avez suivi ma mise en place que je fais moi-même. Ok, ensuite, on est rendu, tabarnouche, quatrième fois de suite. Bon, ben, je pense qu'on va y aller avec deux dégâts. Donc, un, deux dégâts. Ce qui fait en sorte que les Chanters n'existent plus. Fait que ça, c'est une bonne chose. Alors, plus de Chanters. On n'aura pas d'autres, donc, jetons de Némésis. Eux autres sont terminés. On les oublie complètement. Et là, je vais pouvoir donc replacer deux autres sorts. On voit qu'on a déjà une première Dual Flash. Et là, j'en ai trois. Et avec les trois, je pense qu'on va aller chercher un Resonant Pearl. Alors voilà, que je mets ça comme ça. Ok, excellent. Donc ça fait 1, 2. Et ensuite, ça fait 3, 4, 5. Bon. Ok. Je vous le dis, je les ai brassés, puis je les ai même re-entrecroisés. Alors là, c'est au tour du Némésis. Ok, alors n'importe quel joueur subit un dommage. Alors on va y aller avec Rhea et... 29 points de vie pour Gravehold. Et ensuite, on va piger la carte et on voit que c'est une nouvelle Upgraded Basic numéro 1. Et c'est une carte d'attaque Unleash Twice. Et Gravehold subit un dommage. Ok, alors un dommage pour Gravehold. Et Unleash, on voit que Move the Arachnus Token one space forward on the ritual track. Alors le rituel qui s'avance. Et on voit que je dois ici bouger de 2 parce qu'il fallait faire un Unleash Twice. C'est là ce qui est très important, c'est que je peux payer les attaques qui sont dessus pour tasser le rituel. Parce qu'oubliez pas que quand le rituel est prêt, c'est là qu'on fait apparaître. Et on va le faire apparaître en fonction du nombre de jetons qu'il y a. Et ensuite, selon le nombre de points de vie qui reste, plus. Je vous dirais que moins on a de jetons, mieux que c'est. Fait qu'on va essayer d'attendre le plus longtemps possible pour y faire justement le plus de dégâts possible. Fait que ça, c'est fait. Et là, ensuite, c'est au tour du joueur numéro 1. Bon. Alors, on a justement un deal one damage qu'on va faire. Alors, on va faire un dommage. Écoutez, lui, oh, ça vaut-tu la peine? Moi, bon, je pense qu'on va y faire un dégât à lui. Donc, il en reste 5. Et là, faut que j'ouvre la brèche. Ça, c'est sûr. Donc, je peux détruire la top card of any player's discard pile ou destroy this to gain 2 life. Je pense qu'on va, y aller. Donc, je vais déjà détruire un spark. Le but de tout ça, c'est de justement essayer de... J'ai un gem ici qui traîne, mais je ne sais pas pourquoi. Mais donc, voilà. Fait que, et là, ce qui me reste, c'est ça ici. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, je pense que 1, 2, 3, je vais focusser la brèche. Puis, il m'en reste qu'un seul. Je pense que je vais la jouer quand même. Alors, et je vais me défaire ça dans cet ordre-là. On va le défaire dans cet ordre-là. Je veux que ma relique arrive un petit peu plus tard. Et on va se reprendre 5, 4, 1, 2,
4, 5. OK. Il va falloir que je finisse par m'acheter des sorts. Là. C'est sûr que j'essaie d'ouvrir mes brèches. Là. Alors, c'est encore à moi. Donc, pas de sorts, malheureusement. Sauf que je pense que je vais réussir un. Là, j'ai deux. N'importe quel allié peut mais discard Resin Pearl in the end. Donc, j'en ai pas de Resin Pearl. If you do gain an addition. Donc, je m'en fais deux. Donc, j'ai deux, trois. Donc, quatre et cinq. Et je peux m'ouvrir directement la brèche. On a la brèche numéro 3 d'ouverte. Donc, là, ça va bien. OK. Et là, on a ça qu'on va conserver pour le prochain tour. Donc voilà, fait que là on va pouvoir commencer à acheter des cartes. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Donc on voit que c'est notre carte de trésor, c'est comme inscrit. Mais on s'entend que de toute façon on ne brasse pas notre deck, fait que c'est pas si grave. Alors voilà, et là c'est au tour du Némésis. Alors le Némésis qui va faire donc un dommage, on va le donner à Takren et on va lui enlever un point de vie à Gravehold et ensuite on va se prendre une autre carte et on voit que c'est un Power. Hop, c'est un Arachnos. Donc, Unleash, puis Arachnos gagne 1 Nemesis Token. Oh, il faudrait être capable de lui enlever avec 5. Alors ça serait bien. Je mets ces deux Power. Donc là, je vais brasser ça bien comme il faut, encore comme d'habitude. Puis, on continue notre combat contre Arachnos, qui commence tranquillement, mais je suis quand même content de ce qui se passe pour l'instant. Ok, ah, le Némésis. Ah, Seigneur. Ok. Donc, un point de vie, un point de dégâts. Lui, ensuite, on enlève un jeton. Et, Seigneur. Et ensuite, on tourne ça et on a une attaque. Ok. Alors, on fait un Unleash. Alors, Unleash, je dois bouger le jeton sur le rituel. Il faut que je me dépêche. Et n'importe quel joueur peut subir un dommage et défausser une carte dans la main. Si cette carte est un gem, Gravehold suffers 2 damage. Ok, any player suffers 1 damage and discard 1 card. Ok, donc un dommage et défausse une carte. Ok, je pense que okay, on va faire ça. Puis... un dommage, un discard de card in end. Puis je pense qu'on va effectivement se départir. On va se départir d'un cristal. Ce qui donne 2 dégâts à Gravehold. Je sais que c'est un peu bizarre, mais je veux garder mes sorts pour faire des dégâts. Ok, faut pas que ce soit un Némésis. Faut pas que ce soit un Némésis. Oh, c'est le numéro 2. Ok, mais le numéro 2, c'était pas nécessairement ça que je voulais non plus. Par contre... ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire des dégâts. Donc ça, ça fait un dégât. Donc ça fait 3 dégâts. On va faire 3 dégâts. Je pense qu'on va le faire à lui. Donc 3 dégâts, ça veut dire qu'il lui reste maintenant 2 points de vie. Parce qu'il fait quand même mal, même si c'est pas si pire. Puis là, on va préparer un sort. Et là, pour les trois adversaires que j'ai, je vais tourner donc le rituel. Je vais payer les trois ici pour donc ralentir le rituel. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pouvais pas payer les 5, malheureusement. Ce que je pourrais faire, si c'était encore à son tour, pour pouvoir enlever la carte du Breach Stabilizer. OK. Il faut pas que ce soit le Némésis. Ça c'est... pourquoi? C'est parce que... donc, on subit un dégât. Donc, un dégât à Ria, un dégât ici. Mais c'est surtout que ça, on l'enlève. Donc, on unleash. Ce qui va faire en sorte que je tasse ça. Et ensuite, Arachnos gagne 1 Némésis Token. Ah, on n'a pas été capable de l'enlever avant. Ça, c'est dommage. Deux jetons pour notre ami Arachnos. Et là, on y va. Et on a une attaque. Donc, Arachnos gagne 1 Nemesis Token ou Unleash. Et n'importe quel joueur subit 3 dommages. Oh, ça, c'est une décision.
Donc, skip the... As a tier equal to the number of Nemesis tokens. Donc là, si je rajoute un troisième Nemesis token, ça veut dire qu'il va commencer au niveau 3. Ça serait quand même quelque chose, mais je pense que ça serait ridicule. Ben, malgré que j'ai ce qu'il me faut. Ok. Si je fais Unleash, je tasse ça de 1. Puis n'importe quel joueur subit 3 dégâts. 7, 6, 5. Donc on va le donner à Tarken. Takren, j'aimerais plutôt dire. Et on a quand même des décisions très difficiles à faire. Mais là, les deux. Ok, ça a bien été. Donc là, ce qui fait en sorte que là, ça va être à mon tour. Alors, c'est encore au tour de Takren. Donc là. On va commencer par ça. Donc on va faire le Sparrow's Aid. Donc je peux. Je peux faire un dégât à lui. Puis Rhea peut maintenant placer un sort, mais je pense qu'elle n'en a pas dans ses mains. Ça, c'est dommage. Alors, pas de sort. OK. Ensuite, on va se préparer ça. Là, on va payer 3 cristaux pour tasser le rituel. Et là, il m'en reste 2. Que je pense que je vais me garder pour le prochain tour. OK. Donc, ce qui fait 2, 3, 4 et 5. OK. Donc là, on va essayer de se remplir. Donc là, ça devrait être 2 fois le joueur numéro 1. Pas de sort. OK. Pas de sort. C'est pas grave parce que là, on a plein de choses. Donc là, j'aurais 2, 3... 4, 5, 6. Je peux avoir jusqu'à 6 à terre ou 5. Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va faire 1, 2, 3. Donc celui-là, je peux l'utiliser des reliques, mais là, je n'achèterai pas de reliques. Donc ça fait 1, 2, 3. Et avec 3, je vais m'acheter un Dual Flash que je vais mettre dans ma main. Et ensuite, il me reste 1 ou n'importe quel joueur reprend 1 point de vie. Alors on va utiliser ça pour redonner un point de vie à ta crène. Fait ça, c'est cool parce que j'ai quand même ce qu'il me faut pour me redonner de la vie. Puis il m'en reste un que j'ai pas utilisé, que j'utiliserai pas. Et donc, je vais mettre ça dans ma défausse. Donc, dans cet ordre-ci, comme ça. OK. Donc, ça fait 1, 2, 3, 5. Alors, c'est encore au tour donc, de Rhea. Rhea qui n'a pas beaucoup de sorts hein, pour l'instant, malgré que ça va venir, là, c'est sûr. Oh, ok, donc Any Ally, donc ici j'ai le Resonant Pearl, ça c'est très cool. Ok, donc Destroy the top card of any player's discard pile. Fait qu'on va le faire encore une fois, puis je vais enlever un cristal à Rhea pour qu'on puisse passer plus vite à travers le deck. Et là j'ai ça ici, donc si... N'importe quel allié peut se défaire d'une résonance. Donc, elle va le faire, ce qui fait que je vais avoir 3 avec lui. Ça fait 3. Donc, juste avec celle-là, 3, elle va aller chercher un autre Dual Flash qu'elle va mettre dans ici. Puis, j'en ai 3 autres et je pense que pour les 3 autres, on va retarder encore le rituel. OK, on va retarder le rituel. Fait qu'on on va mettre ça comme ça. OK, donc ça fait 1. Donc 2, 3, 4, 5. Bon, là, on a un Dual Flash. Alors ça pourrait être bien. Là, on va commencer à faire des combos intéressants. Je vous dirais qu'on n'est pas si mal pour l'instant. On a encore le petit méchant qui est encore là. Et qu'il lui reste un seul point de vie. Là. Regardez, à chaque fois, là, j'essaie de bien mélanger. Faudrait que je protège ces cartes-là. Ils sont tellement brassés. Mais les cartes sont d'excellente qualité. Hein. Les cartes se brisent très difficilement. OK, on est déjà prêt à continuer. Okay, on est prêt à continuer. Pas besoin de couper la caméra. On y va. Et c'est le Nemesis. Bon. J'aime quasiment autant ça. Donc, on va perdre un point de vie pour Rhea. Un point de vie, mais tu sais, à force de perdre des points de vie comme ça peut quand même finir par faire quand même assez mal.
Et là, on va aller chercher une carte. Et là, on a le Flame Acolyte. Ouh, persistant, si Arachnos a 3 ou moins Nemesis Token, Arachnos gagne 1. Sinon, n'importe quel joueur gagne 3 dommages. Oh, OK. Fait que je pense que j'ai quand même bien fait. Mais là, il y a 8 points de vie. Et là, j'ai toujours pas fait de dégâts à notre ami Arachnos encore. Et là, c'est au tour du joueur numéro 1. Bon. Alors, le joueur numéro 1 va commencer par faire ça ici. Donc, qui est plus 1, plus 1 damage on cast. Hein, faut pas oublier. Parce que la brèche numéro 3 est ouverte. Là, j'ai tout ça ici. Encore une fois, j'ai pas... Donc, n'importe quel joueur peut gagner une vie. Donc, je pense qu'on va le faire encore. On va faire gagner un point de vie ici à Ria. Ce qui fait en sorte que j'ai 2, 3 encore pour aller me chercher où j'ai... Bon, j'ai 1, 2, 3. Je pense que j'ai quasiment envie... On dirait que je veux me préparer pour plus tard. Fait que je vais aller chercher un Olive Knight pour avoir encore un petit peu plus d'argent. Et là, on va préparer ça comme ça. OK. 2, 3, 4, 5. Donc voilà, j'ai encore un Dual Flash. On va commencer à pouvoir faire des dégâts. Ça dépend toujours, c'est à qui. C'est encore... sauf que j'ai pas eu le temps de placer. Ah. Ça ferait quand même 3 dégâts. OK, on peut le faire de toute façon pour le prochain tour. Donc, on va commencer par le lancer. Donc, ça fait 3 dégâts. Donc, 8, 7, 6, 5. Donc, il en reste 5 à lui. J'ai un autre Dual Flash que je vais pouvoir donc placer ici. Donc, on a un Cage Fire. Est-ce que je détruis? Non, je ne veux pas détruire. Destroy. Parce que j'ai pas le choix de la jouer ou je la garde dans ma main. Je pense que je vais la détruire pour gagner 2 points de vie. OK, donc je gagne 2 points de vie, donc je remonte à 9 points de vie, ce qui est quand même pas si mal. Et là, j'ai 2, 3, 4. Et là, je pense que 4... Je pense que 4, on va y aller avec le Force Amplifier. Voilà, 2, 3, 4... On commence à se préparer. Il y a l'idée de focusser des brèches aussi. Donc, 2, 3, 4, 5. Puis de se nettoyer aussi. Nettoyer le deck, pas se laver nous autres même. OK, le joueur numéro 2. Bon. Le joueur numéro 2, deal 1 damage. On va le faire parce que ça va donc éliminer le Drisbic Worm enfin qui est parti. Il a toujours réussi à faire quand même pas mal de dégâts. Parce qu'à chaque fois, on pense qu'il est là et qu'il donne pas grand-chose, mais finalement, il finit par faire beaucoup de choses. OK. Là, c'est cool. Fait que là, je vais placer mon Dual Flash. Je vais placer mon Spark. Et là, il m'en reste 2. Et avec les 2, je vais donc payer 2 pour donc me mettre un petit cristal pour préparer mon Breach Siphon. Alors voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va commencer à faire mal, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. OK, donc là, c'est lui premièrement. Donc, si Arachnos a 3 ou moins, donc 3 ou moins, donc il va se gagner un Nemesis Token, donc en voilà un troisième. Ouais, ça, c'est dommage. Et là, on a... Ah, niche twice. OK, any player or gravel suffer 3 damage. Donc, unleash twice. Une chance que j'ai quand même bougé le rituel parce qu'on aurait été proche de la fin. Et là, n'importe quel joueur ou gravel subit 3 dégâts. On va y aller avec gravel. 1, 2, 3. Donc, 19 points de vie pour gravel. OK, mais là, la carte a été pigée. Et là, tout ce qui reste, c'est le joueur numéro 2. Et là, le joueur numéro 2, regardez bien ça. Donc, il fait 2 dégâts. OK, donc on va le faire sur lui. Donc, ça fait 5, 4, 3. Et là, c'est écrit dessus.
Si c'est la première fois que je lance Duel Flash dans ma phase de lancer des sorts, je peux lancer n'importe quel Duel Flash préparé sans le défausser d'un autre joueur. Any players. Donc, ça aurait même pu être moi si j'en avais un deuxième de préparé. Mais il y en a effectivement un autre, puis il est sur une brèche qui a un plus 1, donc il fait 3 dégâts. That's it, voilà. Juste avec ça, on vient d'enlever donc le Flame Acolyte. Donc, il est parti. Donc, ça a fait quand même pas mal de dégâts. Et je suis quand même content. C'est un très, très bon sort. Et là, on voit que maintenant, je vais faire un petit dégât. Et on peut commencer à faire des dégâts maintenant à notre ami Arachnos. Alors, voilà, dégâts est fait. OK. Alors, ici, on a le Sparrowhead. Ah, c'est n'importe quel allié peut préparer. Donc là, il ne faut pas que j'oublie que c'est quand je le caste. Hein. Je ne sais pas si j'ai fait ça tantôt. Et là, j'ai 4. Donc, je vais payer 3 pour tasser. En passant, je ne devrais pas les mettre là, mais on s'entend. Puis, je vais garder, je pense, mon dernier. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5. Alors, voilà pour le prochain tour. OK, fait que là, le tableau va ainsi. Donc, j'ai pas personne ici dans les cartes en jeu, donc c'est pas si mal. Le rituel, on réussit quand même à pas pire le contrôler. Alors, on y va, on continue ça, je vous relis. Alors, on y va, on continue. Oh yes! OK, ça j'aime ça. Ça j'aime ça. Oups, excusez, voyez-vous, c'est l'énervement qui fait que je détruis tout. Alors, je fais un dégât. Alors, c'est... On continue, là. Fait que ça fait 68. On y arrive. Et n'importe quel allié peut préparer un sort. Est-ce que j'ai un sort que je pourrais préparer là-dedans? Ah, j'en ai pas! J'en ai pas encore assez. Je pense qu'ils sont tous dans le prochain. Fait que j'en ai pas. Ça, c'est plate. Alors, on va préparer ça. Et là, est-ce que lui, il y a une résonance? Ah, il n'y a pas sa résonance. Fait que là, j'ai 2, 3, 4, 5. Alors, encore une fois, je vais payer 3 pour tasser encore le rituel. Et là, j'en ai 2 dans mes mains. Et je pense que je vais encore en payer 2 pour me donner un autre cristal ici pour préparer ma brèche siphonne. OK. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a beaucoup de sorts, là. On a beaucoup de sorts, mais là... Faudrait encore que ce soit à moi. Let's go, let's go, let's go. Oh, c'est encore à moi. Ah, n'importe quel allié peut. Puis j'ai une carte où je fais un dégât. On va y aller avec ce qui est le plus efficace. On va piger une carte. Un cristal. C'est bon, j'accepte. J'accepte. Là, on a des sorts. Donc, Dual Flash. J'ai un Spark. J'ai 3. Je pourrais encore tasser. Mais là, cette fois-ci, pour 3. Je pense que je vais focusser ici ma brèche pour éventuellement l'ouvrir. On essaie. On travaille fort, on travaille fort. On essaie de garder ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que je vais avoir 3 brèches d'ouvertes, là, je pense que là, c'est comme dans ma dernière partie. J'essaie de plus possible de contrôler ce qui se passe du côté de notre ami. En sachant très bien que je peux malheureusement pas tout contrôler. C'est encore à moi. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. 3 dégâts. C'est un Dull Flash qui permet d'utiliser celui de mon adversaire. Donc ça va faire 5 dégâts. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Excellent. Très bien. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Sauf que j'ai plus rien après ça. Bon, là, j'ai peut-être la possibilité, par contre, de faire 2, 3, 4. OK, attendez. Là, j'ai 2 pour m'acheter une relique. 3, 4, 5, 6, 7. Et je peux aller me chercher un Well of Energy. Gravel gagne 2 dommages, 2 points de vie, ou n'importe quel joueur gagne 2 points de vie. Wow! Et là, j'ai ça ici. N'importe quel joueur se redonne 1 point de vie. Je pense qu'on va bien contrôler
des points de vie dans cette partie-là. Waouh, ça c'est magnifique. Magnifique. Alors je vais y aller avec une défausse comme ça. C'est sûr que... Ben non, j'ai fait quand même pas mal de dégâts. 2, 3, 4, 5. Ok, on en a 5 ici. On a quand même des sorts encore. Sauf que là, le Némésis, quand même, il faut qu'il s'en vienne. Il est là. Il n'y a absolument rien. Donc, on va piger la carte. Allons voir ici, c'est quoi? Oh, c'est un upgraded basic. On unleash twice. Gravel, ok, on va commencer par unleash twice. Ça veut dire qu'on bouge ça de 2. On a encore réussi. Gravel subit 2 dégâts. Et... ok. Après ça, le joueur qui a le most expensive prep spell, discard that spell, donc celui qui a le sort le plus cher doit le défausser. Alors le dual flash s'en va. Ça fait mal. Mais c'est tout par contre. On n'a pas de Nemesis, on n'a pas de minion en place. Donc, ça va. Ensuite, ok, c'est au tour du joueur numéro 1. Le joueur numéro 1 qui peut... Oh, ok, on va préparer le Force Amplifier. On va préparer le Dual Flash. Il nous reste 2. Est-ce qu'on a un Resonant? Est-ce que lui, il y en a un? Alors oui, il y en a un, ce qui fait en sorte que je le défausse. Et ça me permet d'avoir donc 3. Donc ça fait 3. Juste à ça, c'est 3. Donc juste lui, 3. Donc ça me permet de retarder encore le rituel, je veux vraiment pas. Et avec les 2 qui me restent, on va commencer à préparer le Sublimate. Qui est très intéressant. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 5. Ok, on va peut-être arriver à quelque chose. On a d'ailleurs notre Well of Energy qui est arrivé déjà. Et là, évidemment, c'est au tour du Némésis. Et là, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? On a un power. Oh, ok. Donc, Arcanus gagne 1 Nemesis Token. Gravel subit 4 dommages et ça me prend 7 pour l'enlever. Donc, c'est un Empower Ritual. Ok. Hey, on avance. Ce que j'aime beaucoup des Andians, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a une bagarre, une bataille. Puis que on dirait bien qu'on dit que tout tourne autour et c'est quelque chose quand même de très épique. Et là, c'est au tour du joueur numéro 2. Ok, le joueur numéro 2 pourra faire un maigre petit dégât à Arachnos. Mais ça s'en vient. On est rendu à 62. Et on va y aller avec ça. Et avec ces 3. Alors, les 3 à terre qui me restent dans mes mains. Alors, je vais bouger encore une fois le rituel. Je veux vraiment pas que le rituel se termine pour faire apparaître le World Devourer. Ça aurait vraiment, vraiment pas de sens. Je vous le dis, ça aurait pas de sens. Ok, donc je me repige ici mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas beaucoup de sorts, hein, par exemple, Takren. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Ok, on a un Némésis. Donc le Némésis, on enlève un petit jeton. Ensuite, on va piger une carte. On a un autre. Oh, c'est un spend 8. Unleash twice. Any player suffers 4 dommages. 2. Ça nous donne un peu de temps. Mais sinon, les 2 vont s'activer en même temps. Ok, c'est encore au numéro 2, mais là. Ok, ben. Ah, j'ai pas de place. Alors, je dis un dommage, mais mon allié peut se préparer un sort, mais malheureusement, j'ai pas de place. Donc, 61 points de vie. Donc, comment... Ok, on va finir par faire quelque chose, mais malheureusement, j'ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 seulement. Non, je pense qu'il faut que j'aille me chercher un sort. Ça, c'est intéressant s'il y en a plus qu'un. Attendez, à moins que... Moi, je pense que je vais focusser ma brèche. Encore une fois, pour 3. Je vais garder mon cristal. Ça fait 2, 3, 4, 5.
OK. Bon. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais on verra. OK, c'est joueur numéro 1. Bon, le joueur numéro 1, malheureusement, j'ai pas de dual flash de préparer là, mais... Ouf, ça fait 4. Attendez, là, ça fait 3. Il est préparé sur un open 3 ou 4 brèches. Fait que ça fait 4. Donc, juste ça, c'est 5 dégâts. Donc, 5 dégâts. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il en reste maintenant 56. OK. Ensuite, lui, c'est 2 dégâts supplémentaires. Oh, c'est pas pire. 54. Ça descend. J'ai un autre dual flash que je peux donc préparer. Et j'ai ça ici. Donc, Gravehold gagne 2 points de vie. Ou n'importe quel joueur gagne 2 points de vie. Je pense qu'on va donner 2 points de vie à Takren. Takren, voyons. Seigneur, j'ai de la misère. Et là, j'ai 3. Donc, je peux malheureusement pas défaire rien de ça. Et je pense qu'il va falloir que je le fasse à un moment donné. Donc, j'ai envie de prendre ici un autre... Peut-être pas celui-là. Je pense que je vais prendre un autre Resonant Pearl. Pour 3. Alors, ça fait 1, 2, 3. Voilà. OK. Malheureusement, j'ai pas réussi à encore enlever 2, 3, 4, 5. Il faudrait que je sois capable de faire beaucoup. Et... Peut-être qu'on va être capable ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh oui, je serais capable. Je serais capable d'enlever lui. Attention. Ah, c'est le Némésis. Le Némésis, on en enlève 2. Un pour chacun. Ensuite, on pige une carte et on a un minion. Donc, c'est un minion de base qui unleash. Et n'importe quel joueur subit un dommage. C'est pas un gros minion, mais quand même, il va être là. Il va nous fatiguer pendant un certain temps. Et là, on a le joueur numéro 1. Et là, j'ai encore un dual flash qui va faire 3 dégâts. Et là, cette fois-ci, 3 dégâts, je vais le faire sur le minion parce que je veux le contrôler. Oh, 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 5. Donc, il en reste 5. Et là, si on regarde bien, lui, il y a un Resonant Pearl. Ah, donc ça pourrait me faire... Mais attendez, je pense que ça me fait 2. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 7, je suis capable d'enlever ça pour défausser celui-là. Alors, l'Arachnose ne gagnera pas un autre Nemesis Token. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien joué. Alors, on va essayer de mettre ça dans cet ordre-là. Très bien joué. OK. Sauf que j'ai pas de sort. Mais bon, c'est ce qu'il fallait faire, je pense, à ce moment-ci. Pour pouvoir au moins enlever celui-là. OK, hey, cool! Ça s'est joué quand même assez rapidement. Ça fait un épisode qui est très, très long. J'étais en train même de me demander si je couperais pas cet épisode-là en deux pour justement faire en sorte qu'on ait... Parce que j'ai pas l'impression que c'est encore terminé. Fait que je vous dirais qu'on va jouer une autre série de tours, puis on aura terminé pour cet épisode de la campagne du samedi de Aeon's End de New Age. OK. Bon, on y va. Ah! Bon, le Nemesis, il unleash twice. Donc, il s'en va jusque-là. Puis après ça, n'importe quel joueur subit 4 dommages. Bon, mais on va l'enlever à Rhea. Donc, il va lui rester 5 points de vie. On était capable, une chance qu'on était capable de bien gérer les points de vie. Fait que ça, c'est fait. Ensuite, unleash. Oh non! Oh, fait que là, on s'en va là. Donc, quand ce jeton move forward to this space, Arachnos gagne 1 Nemesis token. Donc, il gagne 1 jeton de Nemesis, son 4e. Mais je veux pas nécessairement l'affronter là, il va avoir trop de points de vie. Le but c'est de descendre les points de vie d'Arachnos qui est à 54 présentement pour le faire en sorte que le World Devourer il reste pas tant de points de vie que ça. Puis là j'ai pas pigé ma carte encore, hein. C'est ça l'affaire. Oh, on a une attaque. Donc Gravel subit 5 dégâts. Arachnos gagne 2 Nemesis Token. On va donner 5 dégâts. Oh boy! 12 points de vie. Hey, OK. Ouf, c'est au joueur numéro 1. Là, il va falloir malheureusement que je tasse un peu
Donc là, on a le Force Amplifier. Ensuite, on a le Dual Flash. 3, 4, 5, 6. Ouais, ok, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, lui, il va se défaire de son Resonance Pearl. Donc, ça va faire 3, 4, 5. Donc, vous comprenez que ici, ça va me coûter 2, puis 5 en le retournant comme ça. Mais si je retourne là, il va gagner un autre Nemesis Token. C'est ça qui est le côté négatif de la chose. Mais bon, il faut bien faire ce qu'il faut faire. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, là, je suis un peu déçu. Joueur numéro 2. Bon, le joueur numéro 2, je pense qu'on va faire piger une carte parce que c'est le Gift of Spirit Aria qui va avoir encore son Resonant Pearl. Ok. Ensuite, je vais pouvoir placer un Dual Flash puis un Spark, puis il me reste seulement 2. Et je pense que pour les deux, je vais focusser. Encore une fois. Pas focusser, mais je vais préparer mon Breach Siphon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vous dirais que les dommages s'en viennent. C'est au joueur numéro 1. Ok, les dommages s'en viennent. Oh oui, là, les dommages s'en viennent pas mal. Alors, on va commencer par lui. Fait 3, 4, et parce que c'est sur une Breach 3, ça fait 5 dégâts. Alors voilà, le Portal Guardian, il est mort. Ensuite, ici, on a 2 dégâts. C'est la première fois. If this is the first time you have cast Dual Flash during your casting phase. Ok, c'est la première fois que je le fais. Alors, il va subir 2 dégâts. Et lui, il va tirer son Dual Flash pour faire 2 autres dégâts. Très thématique, hein? C'est comme si lui tire. On tire les deux. Il reste 50 points de vie. Très cool. J'ai un autre Dual Flash à préparer ici. Et là, en voulez-vous, Gravel ou n'importe quel joueur gagne 2 points de vie. On va en donner 2 points de vie à Gravel. Donc, 14 points de vie à Gravel. On essaie de contrôler ça. Là, j'ai 2, 3, 4, 5. Je pense que je vais payer 3 pour tasser le rituel encore. Puis avec les 2, je vais mettre ça ici. Ok, on contrôle bien. On contrôle bien. Ça va pas si mal. 1, 2, 3, 4. Bon, ça, c'est la partie où j'ai pas de sort, malheureusement. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est au tour du joueur numéro 2. Excellent, excellent. Ça veut dire qu'on peut faire plein de dégâts. Alors, 2 dégâts, plus 3, parce que là, on va activer celui-là qui est sur une Breach 3. Bon, ça fait 5 dégâts supplémentaires. Donc, on est rendu à 45. OK, on lui fait mal, on lui fait mal. Ensuite, on lui fait 1 dégât de plus. Il en reste 44. On va se préparer le Sparrowhead. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ah, il m'en manquerait juste un. Donc, 3. Je vais focusser ma brèche. Il m'en reste un que je vais conserver. Donc, ça fait 2. Ensuite, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Voilà. Alright. Ok, donc là, c'est au tour du Nemesis maintenant. Et là, on est. Le deck, il commence à baisser. Il va falloir quand même que je me dépêche. Oh, on a Sky Tremor. C'est pas pire quand même. C'est un Updated Basic 2. Il y a un seul power, mais c'est tout. Alors voilà, je pense qu'on va arrêter cela. Donc il me reste juste à rebrasser ça. Alors, on va arrêter cela pour ce troisième épisode. Donc, Daeon's End, The New Age. Je vous dirais qu'on est pas mal au milieu. Il reste quand même de moins en moins. Je vous rappelle que quand il n'y a plus de cartes dans le Nemesis Deck, c'est terminé. Hein? Donc, il va falloir que je me dépêche probablement
peut-être laisser aller le rituel éventuellement. Puis commencer à penser à m'attaquer au World Devourer. Ça va être dur. Ça va être très tough. Fait que ben, je vous remercie beaucoup. Je sais pas si je vais réussir. Je le souhaite vraiment beaucoup. Malgré que là, ça va être dur. J'ai l'impression d'affronter ce World Devourer là. Si je me dépêche pas un peu pour vraiment passer à travers tout ça. Mais bon, j'arrête de réfléchir. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo de Aeon's End, The New Age. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire, le Valet de cœur, au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Et on va se revoir à tout le moins samedi prochain. Hein? Bye bye tout le monde. Merci beaucoup.